Nazon chips it through. Chance now. It's in. Hello et bienvenue sur Channel Doc Poudre. Si vous êtes haïtien et puis vous contact football et puis vous encouragez Grenadier, vous pouvez vous parler au moins une fois de Donald Guerrier déjà. Mais vous pouvez vous poser tout en pile question sur qui est lié, côté de sortie et comment la faire, etc. Donc dans la vidéo, vous pouvez répondre à la question. Vous pouvez parler de lui en général. Si c'est pour la première fois que vous passez sous la chaîne là, pas oublier abonner à la chaîne là pour parler des vidéos qui viennent, partager la vidéo à ensemble pour que vous ayez plus de monde. Et puis je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour qu'on compte toute bagaille. Et puis on va la vidéo. Donald Guerrier fête le 31 mars 1989 à Port-au-Prince en Haïti. Mais je ne connais pas l'ancien footballeur international haïtien qui a évolué dans un poste défenseur et milieu terrain dans le football. Il fait 1,75 m de hauteur et il pèse 72 kg. Il y a deux petites filles, une est Emilia Guerrier et l'autre est Chloé Seven Guerrier. Et puis il y a un petit garçon qui est Donald Junior Guerrier. Qu'il fait avec Madame Lee qui est une polonaise du nom de Zuzana Gessica. Il y a une petite fille qui est Manette Mia qui était faite le 16 avril 2016. Mais depuis qu'elle était faite là, elle était malade. Mais malheureusement, elle est venue mourir jusqu'à samedi 14 octobre 2017. Là. Il a commencé sa carrière depuis en 2009 dans Violette AC et en 2010-2011 il était allé dans l'Amérique des Caraïbes. Avant de continuer, j'ai une petite question pour nous. La question c'est, dans quelle année Haïti a participé à la Coupe du Monde? Réponse 1 en 1985, réponse 2 en 1974, réponse 3 en 1976, réponse 4 aucune de ces réponses. Pas oublier écrire réponse par là dans l'espace commentaire et puis dans la fin vidéo, ma belle réponse. On continue. En 2013, il était rejoint le club polonais là qui était le Wisla Cranovi. Côté, il était signé un contrat un an avant. Depuis ce premier match de la carrière, Donald Guerrier était tout fait pour premier goal. En 2014, il était décidé de prolonger le contrat jusqu'à en 2016. En 2016, il était tout décidé de jouer l'équipe turque à l'Alanya Sport là, dans la première division. Il fait 24 matchs et il était marqué 4 goals. Et puis en 2017, il était signé avec Karabakh FK. Un an après qu'il était fini signé avec là, il était tout champion avec. En 2018, là, il était une occasion pour illustrer dans la phase éliminatoire des champions. Parce que pendant un match, il était arrivé à marquer Green Goal qui était fait équipe la balle. En 2019, là, il était arrivé signé dans un club qui est le FK Nechi. Côté qu'il a fait 35 000 $ par mois. Et c'est dans le club ça que l'a évolué dans ce moment-là. Salaire lui, c'est 562 500 € par an. Donald Guerrier crée une propre fondation qui est la Fondation Donald Guerrier. Mission fondation c'est encourager dans le domaine ça qui c'est santé, éducation et puis sport. Et puis il veut faire différence avec fondation ça pour jeunes haïtiens qui venir pour améliorer les conditions de vie et puis tout pour intégrer dans la société. Lui même pour mettre 20 cabanes pour l'hôpital général par consent et puis ça immaculé conception des cailles là pour le cadre coronavirus là. Dans ce moment là, sur Instagram, il y a 432 000 personnes qui ont suivi. Dans le commencement de vidéo, je vais te poser une petite question. Je vais te dire dans quelle année Haïti était à la Coupe du Monde. Eh bien, la réponse là, c'était en 1974.
un grand merci parce que vous avez été dans la vidéo. N'oubliez pas d'abonner à la chaîne pour vous parler de la vidéo. Partagez la vidéo à vos amis pour que vous puissiez plus de monde. Et sur ce, ciao, nous vous retrouvons dans la vidéo.